Je t'en remercie. Au niveau du quorum, donc Guillaume Cal donne son voix à Roland Tabar, Catherine Leclerc à Frédéric Gauvin, Didier Bernard à Odile Fèvre et Francis Dumortier à Claude Bourin. Donc le quorum est là. Vous avez reçu les comptes rendus du conseil municipal du 4 avril 2017 et aussi celui d'Amont du 21 mars 2017. Avant qu'on passe au vote, avez-vous des questions, des remarques sur ces comptes rendus de conseils municipaux? Pas de questions? Pas de remarques? Juste, on valide celui qui était envoyé par fichier. Oui, Martin. Oui, oui. Donc, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Avis favorable? Merci. À l'unanimité. Stéphane, tu voulais dire un mot, je pense. Oui, donc comme on l'a abordé là, lors de la dernière réunion du conseil municipal privé, pour des questions de temps et puis surtout de rapidité, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'ensemble des données du conseil municipal, il avait été évoqué une mise en ligne plus rapide. Donc, on comptait attendre le nouveau site internet, mais comme ça devient un peu urgent, on a trouvé une solution technique qui nous permet de le mettre sur le site actuel, qui n'est pas tout à fait celle qui sera définitive, mais en tout cas, vous avez déjà accès à ça. Donc, je vous montre le principe. Vous allez sur arzon.fr, classique. Vous allez sur mairie d'Arzon, mairie-arzon.fr, qui vous ouvre on va le faire en direct, qui vous ouvre donc la version, administrative du site. Dans vie municipale, vous avez conseil municipal, compte rendu. Cliquez sur compte rendu. Et à partir d'ici, vous avez la version audio complète du conseil municipal. C'est donc disponible pour l'ensemble des Arzonnais et y compris nous. Donc ce qui sera, alors je vais aller dessus, voilà le principe. Vous avez une fenêtre de dialogue qui apparaît. Alors là, malheureusement, le son on l'a pas ici dans cette salle, donc faudra simplement me faire confiance. Vous mettez en route. Vous arrivez sur un fichier YouTube qui dure 34 minutes et vous avez donc à chaque fois à quel moment du conseil on se trouve, l'introduction. Moi je l'entends ici simplement sur le PC, mais donc voilà. Et ça c'est donc la partie, audio pure. Vous trouverez également en dessous. Non, revenez sur la photo, monsieur. Ah oui, c'est ça. Donc il faut que je reste ici, pardon. Vous descendez. Et en dessous, là. En or, voilà. Ici, vous avez le compte rendu écrit, qui n'a plus donc tous les détails, puisque les détails, vous les avez à l'audio, à la demande. C'est ce qui est envoyé en préfecture, donc à savoir ce qu'on appelle le relevé des décisions plus. C'est ce qui est transmis aux élus. Ce qui est transmis aux élus et transmis en préfecture. Voilà. Donc, et ça, de fait, compte tenu de la rapidité technique, entre guillemets, pour transformer le fichier audio en fichier MP4 et mis à disposition, ça pourra se faire dans un délai beaucoup plus court que ce qu'on avait jusqu'à présent, où en règle générale, vous receviez malheureusement le compte rendu, soit juste avant le conseil municipal, soit même des fois décalé d'un conseil, puisqu'il fallait une dizaine d'heures pour retranscrire les débats audio en version écrite. Voilà. Juste, là par exemple, c'était un compte rendu qui avait précédent celui-ci. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Et il n'y avait pas les explications, pas les commentaires? Ah bah sur les deux derniers, qui sont donc maintenant en version audio, on n'a pas fait une version. Ils sont déjà.
C'est ce qu'on a dit la dernière fois au conseil municipal, que ça commençait à partir du conseil municipal du 27 mars. Donc, à compter du 27 mars, ici, vous voyez que sur le 27 février, il n'y a pas de fichier audio. Ça n'est qu'à partir du 27 mars qu'il y a la possibilité d'avoir un lien vers un fichier audio. Et donc maintenant, là, celui-là, je ne sais pas, il faudrait que je voie exactement avec le service NTIC, mais grosso modo, dans la semaine, ça sera disponible. Voilà. Quelles sont les contraintes de ce progrès, Les contraintes en termes de de vie autour de la table. Pour des questions, pratiques. Soit je fais un enregistrement, nous faisons un enregistrement unique de l'ensemble de toute la séance. Si elle dure 2 heures, faudra essayer de se rappeler à quel moment on a pu parler de telle question. Soit on prend bien soin, et monsieur le maire en serait le garant, de dire « Ok, nous allons donc maintenant passer à la question numéro 1, prendre quelques secondes le temps d'arrêter l'enregistrement, d'en redémarrer un nouveau, question numéro 1, et on aura l'ensemble. » Et donc, prenons garde chacun de bien, si on a une remarque sur la question numéro 1, soit d'y revenir tout à la fin du conseil municipal, mais de ne pas revenir sur des remarques de la question 1 pendant qu'on traite la 2 ou des choses comme ça, simplement pour que ce soit plus simple pour chacun de s'y retrouver après au niveau de la compréhension, si n'importe quel citoyen veut savoir qu'est-ce qu'on a dit sur la question 3 qui concernait telle ou telle chose. Oula. Voilà. Merci. Merci de votre attention. Donc voilà, ça c'est bon, c'est opérationnel, ça fonctionne déjà. Oui. On n'a plus besoin du... Non, on va pouvoir l'éteindre. On n'a rien d'autre à projeter, on va l'éteindre. C'est vrai que ça fait un boucan. Pas voilà. Tu restes appuyé dessus. Alors, tu appuies... Non. Non. Celui-là. Attendez. Alors, excusez-moi, je vais essayer de ne pas en mettre dans les yeux de tout le monde. Hop. Voilà. Ouais, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Okay. Donc c'est bon. Yes, c'est bon. Donc on passe tout de suite, si vous voulez bien. Administration générale, affaires générales, avec comme sujet le parc naturel régional du Golfe du Morbihan et la modification représentante de la commune. Les représentants de la commune sont à ce jour au PNR Roland Tamar et comme suppléante Odile Fèvre. Merci Odile pour tout le travail et la participation que vous avez eue au niveau de cette instance. Merci. L'emploi du temps de Madame Fèvre ne lui permet plus d'assurer cette représentation. Il est demandé au conseil municipal de désigner un nouveau suppléant. Et donc là, je fais appel à candidature. Est-ce qu'il y a candidature? Oui, je vous écoute, Christine. Moi, pour ma part, j'y siégeais depuis le début du mandat comme suppléante de Madame Vanard à la communauté de communes. Donc, à ce titre, j'étais membre de la commission d'urbanisme qui donnait un avis sur la conformité des plans locaux ou des SCOT par rapport à la charte. Vous l'avez vu, on va en reparler. J'étais aussi acteur dans l'appel d'offres transition énergétique pour lequel on vous montrera les résultats. Et puis on essaie de participer à certaines opérations dont on en a déjà parlé, c'est les mouillages innovants. Et pour l'autre qui va commencer à voir le jour, avec Loc Mariaker, on va travailler sur les zones de vulnérabilité sur les côtes. La communauté de communes ayant été dissoute, tous ces mandats n'existaient plus et ils étaient à reprendre par rapport à GMVA. Et sur GMVA, n'ayant qu'un rôle de suppléante, je ne peux pas être prise comme représentante pour le PNR. Donc à ce titre, en continuité avec ce que je faisais déjà, je me permets de postuler. D'autres candidatures? Oui. Je voudrais juste lire une intervention personnelle suite justement à cet appel à candidature. Donc, la demande a été examinée lors du conseil municipal, lors du conseil privé.
Madame Adolphe y a exposé les motivations de sa candidature. J'ai également présenté ma candidature. Comme je vous l'ai dit à tous ceux qui étaient présents, je me suis toujours intéressée au PNR et j'ai toujours été favorable à ce PNR, y compris sous la précédente mandature. Chacun se souvient de votre position d'alors. Vous avez affirmé soutenir la candidature de Madame Adolphe. Je n'ai rien contre, bien sûr. J'apprécie son travail. Alors, mais vous avez souligné, face à ma candidature, que ce travail, même en tant que suppléant, est un travail de production. J'en conviens. Cependant, par rapport à Madame Fèvre qui se retire, je voudrais savoir, et nous ne l'avons jamais su, quel a été son travail de production. Donc la question reste. Je constate en plus que Madame Adolphe est omniprésente dans tous les dossiers. Bravo, c'est très bien. Cependant, je constate encore que votre position en soutenant la candidature de Madame Adolphe favorise, disons politise, le fonctionnement de ce conseil municipal. Je constate une fois de plus que vous ne semblez pas ouvert à la participation d'un certain nombre d'élus. Vous négligez votre conseil municipal. De fait, je renonce à me présenter. De fait, s'agissant de cette question, je m'abstiendrai de voter. Très bien. On passe au vote. Donc, il n'y a qu'une seule candidature, donc on ne le fait pas par... Donc, ceux qui sont favorables à la candidature de Mme Adolphe, lèvent la main. Donc, ceux qui ont des... Moi, je préfère m'abstenir. Donc, ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et toi ? Et moi, 13. 14. Non, pardon, recommençons, excusez-moi. Vous avez deux voix, tout de même. J'ai deux voix, allez-y, comptez. Tu as dû faire dans l'autre. 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merci. 7 abstentions. Il y a des contre. Abstention. Non, Christine, vous ne participez pas au vote. Oui, participez pas au vote, pardon. Christine, s'il vous plaît. Abstention. Donc, vous pouvez, voilà. Si, si. 6 abstentions. C'est l'esprit qui compte. Très bien. Eh bien, bravo pour cette candidature et continuez, Christine. Allez. Comme vous le faites. Félicitations. Pour l'administration générale. Affaires générales, commission communale, suppression et création. L'objet, comme annoncé le 11 janvier dernier, est proposé en conseil municipal du 6 février. Il est proposé une restructuration des commissions communales telles que figurées dans le tableau joint en annexe. Je vous fais passer le tableau. Rectifié. Le tableau rectifié suite au conseil municipal privé que nous avons eu. À ma manche, votre nom a été rajouté. A été, comme à votre demande, justifié, remis où il fallait. C'est de ma faute, hein. C'est un oubli. À la commission développement, aménagement et urbanisme, logement. Questions, remarques sur ce thème des commissions ? Simplement, pas simplement, une question avant de dire quelque chose. Les noms qui sont soulignés dans les commissions, ce sont les noms de personnes qui seront les vice-présidents des commissions. Oui. D'accord. Est-ce que c'est bien ça ? Donc, ce sont les vice-présidents des commissions. Président. D'accord. Vice-président. Alors, je continue mon intervention. Le 6 février dernier, l'ordre du jour indiquait en question numéro 1, restructuration et modification des commissions communales.
devant nos arguments juridiques précis et après suspension de séance, vous aviez, monsieur le maire, pris la décision d'ajourner cette question. Aujourd'hui, l'ordre du jour comporte en question numéro 2, commission communale, suppression et création. Vous pouvez vous jouer sur les mots, mais quoi qu'il en soit, votre demande est à nouveau complètement illégale au vu de l'article 21-22 du CGCT, que vous citez cependant, et des jurisprudences nombreuses et du service de la légalité de la préfecture qui, dans une lettre, dit ceci. Le caractère permanent, et c'est le cas pour les commissions que vous voulez supprimer, implique que leur composition ne peut être remise en cause en cours de mandat. Le conseil municipal ne peut modifier la composition des commissions municipales en cours de mandat. Et je vous cite peut-être, si vous voulez, deux tribunaux administratifs, notamment de Nice et Dijon, et il y en a bien d'autres, notamment au conseil d'État. Nous avons également confirmation par un avocat consulté. Nous vous demandons donc, monsieur le maire, d'annuler purement et simplement cette question numéro 2, sachant que le fonctionnement du conseil municipal n'est pas remis en cause par cette dite commission que l'on voit fleurir régulièrement. En conséquence, devant cette à nouveau illégalité, je m'abstiens de voter. J'ai pour mission de répondre donc à ça. Je vais vous faire passer un mail de la préfecture avec une mention qui est surlignée, qui concerne, je suppose, le fameux article du CGCT et surtout une décision du conseil. La chambre d'administration, le deuxième, vous en aurez un autre. Un deuxième, document Conseil d'État, reste de 2009, puis un de 2011. Monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi ces documents nous ont pas été donnés en temps et heure. Et donc, moi, je refuse de les lire, j'ai pas le temps de les étudier. Donc, on n'était pas. Ça c'est anormal qu'on n'ait pas ces documents-là avant. Sur des questions pointues comme celle-là. Vous les avez eues, monsieur. Enfin, puisqu'en l'occurrence, c'est une copie qui nous a été remise par la préfecture. Bah, c'est pas les mêmes, parce que j'ai pas la même copie que vous. Alors, c'est un mail qui vous a été adressé le 13 janvier. Qui nous a été adressé par la préfecture. Justement, c'est celui-là que j'oublie. Donc, aucune durée relative à ces commissions n'est fixée dans les textes. Et effectivement, s'il est absolument très clair que la composition des commissions ne peut être remise en cause, il est expressément par contre fait mention que dans le cas de la suppression d'une ou plusieurs commissions, les membres des dites commissions n'en sont donc plus membres. Et c'est bien le cas qui nous intéresse. Il y a un certain nombre de commissions qui ont été supprimées pour en recréer avec d'autres objectifs, complétés pour la plupart, le logement venant se rajouter à urbanisme et développement, patrimoine et environnement étant séparés d'urbanisme, sport et loisirs restant à part et association animation étant aussi une autre création. Toutes les commissions qui n'ont pas été supprimées n'ont pas été modifiées. On est dans le cadre, donc comme c'est écrit ici, dans le cadre d'une suppression et d'une recréation. On n'est pas dans le cadre d'une modification. Il est clair que le maire n'a pas pouvoir de modifier la composition d'une commission. Il a, en tout cas selon les textes, et en tout cas c'est ce que dit également, et ce que disait déjà dès le 13 janvier Mme Emono, tout à fait le droit de supprimer une commission et d'en recréer une. C'est le cas dans lequel on était. C'était ce point-là qui n'était pas très clair et qui a donc poussé, lors de la première présentation en conseil municipal,
le retrait, enfin le report de la décision sur cette question. Voilà. Alors moi non plus, j'ai pas le temps de lire ce papier. Je trouve que c'est trop important. Pour tous les textes de droit, oui. On les lit pas en 3 minutes. Il faut lire, relire, lire entre les lignes, les virgules, etc. Seulement pour répondre à Monsieur Autain, je dirais que effectivement, l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, pour l'avoir étudié, prévoit, je cite, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier des questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Il s'agit de commissions particulières et temporaires. Or, là, les questions qui sont listées ici, sur ce document-là, sont des commissions permanentes, qui sont modifiées. En outre, deuxièmement, ce Code général des collectivités territoriales précise, et c'est par rapport à ce qui est écrit dans ce tableau, là, qui est présenté à tout le monde, vous proposez des noms de vice-présidents et de membres de commission. Ce fait contrevient non seulement au principe de l'élection, mais surtout que celle-ci doit avoir lieu au bulletin secret et non en validant publiquement une proposition d'ordre du jour. Donc là, nous sommes dans un cadre de documents tout préparés, avec des postes attribués, et il n'est pas question d'élection au bulletin secret. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je ne peux pas voter, accepter. Là, je vais reprendre de la parole dedans, s'il vous plaît. D'un autre côté, là, vous jouez vraiment sur les mots, car si je lis bien le texte qui a été, que vous avez, qui également que j'avais lu tout à l'heure, le caractère permanent, et c'est bien là le problème, nous sommes dans des commissions à caractère permanent. En ce sens que même si vous avez, si vous reprenez l'AMF, c'est les maires de France, et vous reprenez la base des commissions permanentes, vous trouverez effectivement toutes ces commissions d'urbanisme, d'économie, de sport et ainsi de suite. Ça veut donc dire que les commissions permanentes ne peuvent pas être remises en cause. Or, vous les remettez en cause en les supprimant. Ça, vous ne pouvez pas le faire puisque vous ne pouvez pas y toucher. Je suis désolé. Donc vous ne pouvez pas y toucher, donc vous ne pouvez pas supprimer des commissions. La commission que vous supprimez, d'ailleurs, on n'a jamais voté sur la suppression des commissions à nouveau. Les commissions que vous supprimez, développement urbanisme et suite, développement économique, on les retrouve à la suite avec des noms un peu différents, mais vous les avez, disons, dispatchés de façon à constituer des commissions. Bon, donc, alors, et vous appelez ça création. Ça me paraît un peu licite. Donc, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. La remise en cause des commissions permanentes n'est pas possible. Alors, bien entendu, vous jouez là, vous allez dire que... Et là, d'ailleurs, d'un autre côté, si vous reprenez l'article 21-22, que dit cet article-là ? Il dit simplement la création de commissions, qui peuvent être des commissions permanentes ou passagères. Ça, j'en conçois. On peut très bien faire une commission pour définir un passage ou des passages protégés sur les rues. Ça, on peut le faire et la supprimer, ou du moins, là, comme elle prend fin à la fin de sa mission. Mais là, vous avez affaire à des commissions permanentes. C'est ça qu'il faut bien voir. Voilà, c'est ce que bon, je veux dire. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Bon. Alors, je peux rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Si vous voulez. Alors moi, je ne comprends toujours pas pourquoi et comment, quelles sont les raisons des personnes ici présentes, dont l'intention est d'appliquer la loi, pourquoi ces personnes s'évertuent à la contourner. Je ne vois pas l'intérêt. Enfin, je me réfère à la visite de M. Porteret. Disposez-vous, le cas échéant d'éléments concrets qui vous autorisent à assister tant sur ces commissions. Monsieur Autain nous transmet des documents que nous avions, c'est vrai, mais l'interprétation n'est pas du tout la même. Donc, ces documents-là sont inacceptables. Le 11 avril, je vous ai demandé justement de pouvoir consulter les documents que vous aviez brandis.
crois que c'était le 4 avril, suite à la rencontre de M. Porqueret, je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc peut-être, je me suis dit que peut-être vous auriez une réponse dans ces documents. Apparemment non, parce que les réponses que vous avez sont celles de Mme Emono. Les décisions du Conseil d'État, etc., sont celles qu'un avocat que nous avons consulté nous a déjà transmis, et l'interprétation est complètement paradoxale, disons divergente. Donc voilà. La loi, ça, c'est vrai que la loi s'interprète, mais quand même, là, il y a des bornes. Très bien. Voilà. Très bien. Donc. Bon, je m'adresse au conseil municipal et à tous ces gens présents. J'entends parler de l'égalité, que le maire serait dans l'illégalité. J'espère que, et je souhaite, que vous ayez entre vous une communication sincère et honnête. Monsieur Roussel, s'il vous plaît. Mon service. Madame Massulto, s'il vous plaît. Monsieur Roussel. Mon service a pris le temps nécessaire pour vous recevoir, ainsi que Monsieur Labour notamment, puis pour vous répondre depuis plusieurs mois sur un ensemble de questions que vous avez souhaité aborder en qualité de conseils municipaux. Compétences tourisme, la CLEC, sirène, organisation des commissions municipales, etc., etc., etc. Le 19 avril, vous nous avez adressé encore, deux messages complémentaires. Le contrôle, Monsieur Roussel, Madame Massulto, le contrôle de l'égalité effectué sur l'ensemble des actes régulièrement transmis par Arjon n'a pas abouti à constater quelque irrégularité que ce soit, Monsieur Roussel. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette situation, si vous permettez, vous avez coupé ? Non. Donc vous ne me coupez pas. Je ne vous ai pas coupé ? Si. C'est enregistré. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette situation au sein du conseil municipal, et si vous souhaitez une autre position que celle qui vous est apportée sur ces différents points, je ne peux que vous inviter à saisir directement la juridiction administrative compétente. C'est signé, ma chère Madame Massulto, de Jean-Marc Hénin, directeur des relations et des collectivités locales et des libertés publiques, préfecture du Morbihan. Ce à quoi, s'il vous plaît. Voici les textes. Je ne vais pas tous les reprendre. C'est tout ce qu'on vous a dit dans la parfaite légalité. Une chose me surprend, c'est les termes, certains thèmes que vous employez. Et ce qui m'étonne, c'est votre signature. Signature pour quoi ? Yves Roussel, conseiller municipal à Arjon, si c'est avec leur accord, je ne ferai aucun commentaire. Yves Roussel, conseiller municipal à Arjon, et représentant mesdames Massulto, Armand Jrondeau, messieurs Labour et Sabatier. J'espère que vous avez tous averti. Bah oui. On a tous signé. Le courrier de M. Hénin, nous l'avons lu, c'est exactement. Alors, si je me permets de reprendre la parole, monsieur, là, vous m'accusez de certaines choses. Moi, je ne nie pas ce que j'ai écrit. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais des raisons de le faire.
de le faire. Par contre, les réponses que vous avez ne sont pas, pas forcément correspondent pas à ce que vous envoyez aussi peut-être à la préfecture, notamment récemment. Par contre, quand on fait quelque chose, nous le faisons en accord. Nous le faisons en accord. Si je mets monsieur Labo ou monsieur, c'est qu'on a eu l'accord de le faire. Voilà tout. Ok, on va passer au vote. Non. Allez-y. Je demande la parole parce que j'ai été cité et je voudrais corriger comme quoi il peut y avoir des interprétations qui ne sont pas du tout celles réellement concernées. Moi, je n'ai jamais rencontré M. Hennig avec M. Roussel. Non, c'est important ce que je dis. J'ai rencontré M. Hennig dans son bureau avec les membres de son service, c'est avec M. Sabatier. Et vous le savez, puisque j'ai relaté les faits de cet entretien avec M. Hennig concernant la clecte et concernant notre contestation liée donc justement au transfert de compétences entre l'office de tourisme municipal d'Arzon et l'office de tourisme intercommunal de la presqu'île de Ruy. Donc ça, ce sont les fins. Maintenant, sur le fait que M. Roussel soit l'interprète du groupe sur ces opérations, moi je n'y vois aucun aucun dysfonctionnement. S'il nous engage, c'est avec notre assentiment. Et puisqu'on aborde cette question des commissions, moi je suis fortement étonné quand même que ce sujet qui prête à caution certainement, mais ce sujet soit quand même repris encore. Alors qu'il y a effectivement jurisprudences en la matière. Et donc, je trouve d'ailleurs incompréhensible que l'on veuille absolument passer par la force sur ces opérations-là. Je prendrai quand même pour exemple la question des commissions. Une commission est désignée et le maire en est son président d'office. Donc, il ne peut pas être, ce ne peut pas être les gens. Et ces gens-là ne peuvent être que élus par la commission. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de. Mais ça, je trouve que c'est du forcing. Et bon, je regrette fortement, moi, en ce qui me concerne, justement, cette méthode qui est de vouloir imposer systématiquement son idée. Je crois que, justement, ce conseil municipal, il fonctionnerait certainement beaucoup mieux s'il y avait un peu plus de démocratie. Voilà. Très bien. Monsieur le maire. Oui, s'il vous plaît. Justement, comme je rebondis sur ce dit M. Labeauve, je n'ai jamais rencontré M. Hennig à la préfecture. Je n'ai rencontré, et on n'a rencontré que M. Vaillant au sujet de la sirène, point final. Et vous allez certainement recevoir une autre lettre, puisque vous recevez les lettres, parce que je me suis plaint auprès de M. Hennig de ce dysfonctionnement dans sa lettre, en me disant que j'étais présent, alors que je n'y étais pas. Alors je lui ai renvoyé une lettre qui était pas, il comprendra. Parce que je n'aime pas, mais je n'aime pas qu'on m'accuse de choses donc je n'ai pas fait. Bon. D'accord. Ok. C'est tout. Bon, ok. Bon. Monsieur le maire, vous permettrez de m'abstenir sur cette question numéro 2, puisque ne connaissant pas le dossier au point de vue réglementation, je ne peux ni voter ni oui ni non. Par contre, je me permettrai de dire que cette nouvelle composition me paraît parfaite, et je dirais même que ça a permis à certains d'entre nous de pouvoir intégrer d'autres commissions. Merci. Je pense que chacun, comme il a voulu, je regrette que ce débat n'ait pas eu lieu lors d'un conseil municipal privé. Je regrette ceci. Ensuite, je pense que chacune et chacun, quand vous regarderez exactement la feuille
que chacune et chacun retrouve exactement la place qu'il voulait, et chacun est à la place qu'il voulait. Il n'y a personne, il n'y a eu aucun... Ah, rien. Bon. Non. Alors, bah, justement, pourquoi... Allez, on passe au vote, s'il vous plaît. On a assez polémiqué. On va passer au vote. Une dernière question, si tu veux bien, Gérard. Oui, juste pour préciser, je crois qu'il faut quand même être précis en matière de droit. Et ben on est. Oui, mais non, tu n'es pas précis, je regrette. Là, aujourd'hui, les commissions ont pour effet d'en modifier les vice-présidences. Tout simplement. Donc, c'est une manipulation. Je suis désolé là-dessus. Il faut dire ce qui est, c'est non, tout. Je ne partage pas du tout. Président, et je répondrai qu'une chose, le maire est président de toutes ces commissions. Oui. Nous sommes d'accord. Le vice-président est élu par la commission, je viens de le rappeler. Le maire est président de toutes ces commissions. Et au-delà d'un programme chargé, je prends problème de considération. Les commissions doivent pouvoir échanger, fonctionner sans la présence systématique du maire. Sachant. No problem. C'est rien à voir. Hors sujet. Sachant que les élus tels qu'ils sont décrits ici sont capables, dans ces commissions, au moins de trouver des projets communs pour la commune. On passe au vote, s'il vous plaît. Juste une question. Sur une commission qui n'a pas changé. Je voulais juste rebondir par rapport à la question numéro 1, où vous avez écrit donc que Mme Fèvre, de par son travail, était moins disponible. Et je vois qu'à la commission du CCAS, plus du tout disponible. Oui, mais à la commission du CCAS, donc Mme Fèvre est présente, enfin, elle fait partie des élus, alors qu'elle n'y participe plus. Et je trouve que ce serait quand même, je dirais, fort aimable de sa part de laisser la place à un élu qui lui, pourrait être plus disponible. Pour le moment, nous en avons besoin. À distance. Oui, peut-être. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis? Non, je refuse de voter. Non. Vous avez le droit de refuser de voter. Vous avez le droit de refuser de voter. Sans qu'il n'y ait pas voté quelque chose d'illégal. C'est légal, quand même. Enfin, on ne va pas nous obliger à voter quelque chose d'illégal. C'est de l'abus de pouvoir, ça. Oui. C'est pas illégal, selon la préfecture. Selon la préfecture, c'est pas illégal du tout. Hein. C'est illégal. Comme il a dit, il y a un moyen. La préfecture, un service de contrôle de la légalité. D'accord. Et puis, si on n'est pas d'accord, voilà comment on va procéder. L'état d'esprit dans lequel est ce groupe, voilà comment on va procéder. Nous allons voter. Ceux qui veulent ne pas participer au vote, bien sûr, ne participent pas au vote. Et comme il vous est indiqué, vous avez toute possibilité, selon les services de la préfecture, de faire un recours au tribunal administratif. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Donc, vous demandez, toujours 12. Non, 11. Il y a 12, on est 7 contre. Non, 11, une abstention. Et le reste ne participe pas au vote. Voilà, très bien. Pour l'administration générale, finances, budget principal, décision modificative numéro 2. L'objet, c'est l'ajustement des crédits votés au budget principal 2017. Madame Rio, s'il vous plaît. Soyez gentil. Merci. La décision modificative qui vous est proposée, c'est de rajouter des crédits
au compte 673, titre annulé sur exercice antérieur à hauteur de 4 000 euros. Ces 4 000 euros sont récupérés sur des recettes supplémentaires par rapport aux prévisions budgétaires de l'article comptable 752, loyer, 4 000 euros. Qui veut dire qu'il y a donc équilibre entre les deux sections et augmentation de la masse de la section de fonctionnement de 4 000 euros. Pour répondre à une question qui a été posée en conseil privé de jeudi dernier, les recettes supplémentaires des loyers proviennent essentiellement des nouveaux tarifs des locations des box à billetterie sur Port-Laval. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Jeu d'écriture, pas de questions, pas de remarques, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Avis favorable ? À l'unanimité, merci. Pour l'administration générale financière. C'est pas légal, permettez-moi, pardon, mais il faut absolument proposer les trois solutions. On vote pour, on s'abstient ou on est contre. Oui. Voilà. Alors tous les conseils communautaires de la presqu'île de Ruys sont tous illégaux. Certainement. Vous les reprendre. Oui, probablement. Question numéro 4. Pour l'administration générale finance, admission en non-valeur. Objet. Admettre en non-valeur les titres irrecouvrables après mise en œuvre des procédures réglementaires par le trésorier comptable de la collectivité. Donc budget principal 59,05 € et budget camping 177,75 €. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette question ? Pas spécialement. Avis contraire. Abstention. Avis favorable. Merci à l'unanimité. Je préciserai, j'aimerais quand même avoir sur de tels documents. Et je rappelle que un conseil municipal est tenu à la discrétion. Mais dans certains cas, pour juger du rejet ou pas de la dette, il est bon de connaître qui est l'auteur de la dette. Et ça, ça me gêne de ne pas le voir. Pour la cantine, je veux bien, mais qui est-ce ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de gros moyens ou pas ? Ça, c'est gênant de ne pas avoir l'explication. Cette question, Gérard Labouche, cette question se pose. Mais là, je fais référence à l'ancien maire que tu étais. Et tu sais comme moi, pour l'avoir pratiqué, je sais. Qu'il y a des cas sociaux. Mais oui, mais justement. Oui. Que les cas sociaux continuent. Et que ces cas sociaux continuent. Sont abordés dans d'autres cas, comme tu sais, que le CCRS, où bien sûr les personnes sont identifiées, mais en conseil municipal, non. On a un droit de réserve. Non, justement, je sais aussi. De préservation des familles. Oui, mais. Pour les campings, ça c'est. Que tu ne les cites pas, si tu veux, au niveau du conseil municipal, dans la mesure où il y a un public et autre. Bien, mais que les conseillers municipaux aient une référence, ça me paraît souhaitable, quoi, c'est tout. Et pour l'avoir pratiqué, j'ai aussi vu des gens qui avaient des gros moyens, qui avaient aussi des dettes. Donc ça, c'est pas normal. Donc voilà, mais c'est une précision, j'ai bien dit. Une précision de fonctionnement. Tu peux dire un mot pour les campings
Donc la question a été posée, oui, effectivement, au conseil municipal privé. La plupart des admissions en non-valeur concernant les campings sont soit sur de toutes petites sommes, 2,80€, 2,75€. Il s'agit en fait, au moment des commandes, des départs, des gens qui ont oublié de faire les chèques spécifiques pour les taxes de séjour. Et autrement, pour ce qui est des sommes un peu plus élevées, de l'ordre de 40 à 60 euros par admission en non-valeur, la plupart du temps, je ne veux pas les accuser, mais la plupart du temps, il s'agit de saisonniers qui oublient de payer leur dernière semaine avant de partir rejoindre leurs universités et écoles respectives. Donc on a mis en place cette année une charte morale avec les employeurs, de façon à ce que eux se sentent plus impliqués et redevables, entre guillemets. Okay. Donc ils vont nous servir de pouvoir de police pour rappeler à leurs saisonniers de payer en amont la dernière semaine plutôt que de partir sans la payer à la fin. Voilà. Ok, d'autant plus qu'il y a des conventions avec les employeurs. Voilà, il y a des conventions, tout à fait. Ok. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? On est déjà voté. Merci. Pour l'administration générale, finance, appel à projet de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc l'objet, c'est la candidature collective pour le territoire du PNR au quatrième appel à projet TEPCV par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Vous avez et ô combien participé à ce dossier, Christine. Je vous laisse vous exprimer sur ce dossier. Eh bien, sous la tutelle du parc naturel régional et avec l'assistance de Morbihan Énergie, 70 projets sont remontés pour analyse de l'ensemble des communes concernant le parc naturel régional. Et Arzon s'est vu retenu comme candidature sur deux projets. L'un qui est de poursuivre notre travail sur la gestion différenciée des espaces verts par l'éco-pâturage, qui coûte quand même assez cher en investissement, c'est de border les terrains. Donc là, on va pouvoir effectivement faire un terrain de plus du côté du Saint-Sacrement. Et de l'autre côté, dans le cadre des économies d'énergie et de la transition à prévoir pour les années à venir, d'utiliser, un peu comme nos anciens, mais sous une forme beaucoup plus moderne, le moulin de Pencastel à travers ces deux petits chenaux pour y mettre hydroliennes et voir pourquoi pas, revenir à la roue à aube de l'autre côté pour montrer l'avancement des technologies dans le temps, qui permettra donc de rendre autosuffisant le bâtiment, voire même d'en avoir un petit peu de disponibilité pour les éclairages extérieurs si de besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment est assez chronophage en énergie et qu'il est, ou énergivore, c'est mieux, t'as raison, et que il est difficile de l'isoler pour des raisons d'humidité. Donc des travaux peuvent être faits sur les murs latéraux, mais en termes global, sinon il va complètement se détériorer vu les matières de construction. Donc bien entendu, on cherche à en réduire la consommation, mais on atteint des limites qui fait que la possibilité de se servir de la nature pour minimiser nos coûts a été travaillée et a été acceptée. Voilà, donc contrairement à ce que je pensais, d'ailleurs je pense, Madame Rio, qu'il faudra peut-être qu'on voit ça quand même, parce que Monsieur le maire d'Arzon est le seul des autres maires lauréats que sont Elvin, Pestoff, Séné et j'en oublie un, et Damgan, à ne pas pouvoir toucher de l'argent sans délibération. Pour pouvoir récupérer ces 32 kilos euros d'un côté pour Pencastel et ces 4 kilos euros toujours hors taxe pour l'éco-pâturage, nous demandons que Monsieur le maire demande à pouvoir l'autoriser à signer cette convention avec les différents partenaires, puisque non seulement il y a PNR, mais il y a aussi la Caisse des dépôts qui, j'étais rassurée ce matin, a déjà reçu les fonds. Parce que les dotations du ministère actuellement, je m'inquiétais un petit peu vu que le dossier avait duré, mais les fonds ont été transmis à la Caisse des dépôts, donc nous en bénéficierons.
Très bien, merci, Christian. On va passer. On va passer au vote. Question. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Ce sont les fonds, ils sont. Après, ils sont permis. Est-ce qu'il y a des abstentions, avis favorables? Merci. Alors, pour l'administration générale finance, tarifs communaux et droits divers, complément de tarifs loyers, Claude, à toi. Un seul logement situé dans l'ancienne gare de Port-Navalo sera mis à la disposition d'un ASVP du service de la police municipale d'Arzon pendant la saison estivale 2017. Le deuxième ASVP, agent de surveillance de la voie publique, sera hébergé dans un studio au bâtiment dit de la gendarmerie, l'ancienne école. Il convient de compléter la grille tarifaire correspondante. Donc le studio Place de la Gare sera mis à disposition pour 106 euros par mois. Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver cette proposition. Il y a des questions, des remarques. On passe au vote. Oui, j'ai juste quand même pour rapporter ce qui a été dit en conseil privé. C'est que ce logement soit revu après la saison sur sa destination. Absolument. C'est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Avis favorable? Merci à l'unanimité. Monsieur Bert, si vous permettez, je dois dire un mot et saluer le professionnalisme des personnels territoriaux qui, en un certain temps, ont vraiment fait un travail de qualité. Donc on va procéder à la réception du chantier en début de semaine. Et je vous invite à aller voir un petit peu ce qui a été fait et de voir qu'on a vraiment des professionnels de qualité et qui mettent vraiment du cœur à l'ouvrage lorsqu'ils font du travail vraiment spécifique, électricité, placo, plomberie, carrelage. Donc on a vraiment une réserve d'intervention en travaux en régie de belle qualité. Il fallait le dire, Claude. Merci. Indemnité des élus, décret 2016-670 du 25-5-2016 et 2017-85 du 26-1-2017, modification du montant. Circulaire de la préfecture du Morbihan du 23-2017. Allez-y, Mme Maillot. Oui. C'est purement administratif. La délibération des débuts de mandat, dont la délibération du 14 avril 2014, faisant explicitement référence à l'indice 1015, qui est l'indice maximal de la fonction publique, bien qu'il soit indiqué dans la délibération, corps de la délibération, indice brut terminal de la fonction publique territoriale, il est demandé, la préfecture nous demande de modifier le texte de la délibération, puisque cet indice 1015 a été revalorisé, non pas en montant, mais en chiffre lui-même. Donc il faut supprimer la référence à l'indice de 1015 et prendre une nouvelle délibération conformément à la première, mais en supprimant cette mention, en y portant uniquement indice brut terminal de la fonction publique territoriale. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On passe sur vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Avis favorable? Merci à l'unanimité. Question. Pardon, je reprends. Excuse-moi. Question numéro 8. Pôle enfant, jeunesse, sport, affaires scolaires, programme saison été 2017, tarif con et séjour. Tarification des camps et séjours pour l'été 2017. Marie-Thérèse, il y a des changements. Tout le monde a les dossiers devant soi. Oui. Il n'y a pas de changement pour la moitié. Si, j'en ai. J'en ai quelques-uns ou pas ? Si, si, j'en ai. Les tarifs pour les camps d'été 2017. Tarif base de 40 euros pour l'île d'Ar, 4 nuits de 6 à 9 ans. Donc toujours le quotient familial, donc au minimum 21 euros, pour le maximum 40 euros et pour les extérieurs 60 euros. Le tarif 2, base de 45 euros, non, à T-Golf, donc Lormont-Baden, du 7 au 11 août, 4 nuits de 9 à 12 ans et de 12 à 14 ans. Donc minimum 23,50, maximum 45 euros et pour l'extérieur 67,50 euros. Tarif numéro 3,
forfait 40 euros. Murette Péricourt du 25 au 30 août. Le tarif numéro 4, forfait de 480 euros. Tarif dégressif en fonction de la participation des jeunes aux activités mises en place dans le cadre de l'autofinancement. Pour l'Irlande, autofinancement du 7 au 15 juillet 17. Le tarif numéro 5, forfait de 8 euros, nuit des trappeurs, 3 nuits par mois, du Granyol et chaque groupe d'enfants, de 6 à 9 ans, de 9 à 12 ans et de 12 à 14 ans. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce tarif? Oui. Juste une précision, une information pour ce qui est pour le conseil municipal. Que dans le cadre du stage surf en Irlande, l'association, par exemple, la LINCH, dans le cadre du comité du MAC, participera et les jeunes participeront aussi à des opérations d'autofinancement. Donc l'association participera à leur déplacement comme il y a deux ans. C'est très bien. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Avis favorable? Merci à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Pas de questions diverses?